Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 2. Donc on débute la saison. Et nous allons un petit peu voir les équipements que j'ai chez moi là. Info pilote, la moto serait bien un peu rouge. J'ai bien peur qu'elle soit rouge la moto. Donc on va changer de casque. N86. On va mettre un casque, vu que ma combinaison est rouge, on va mettre le casque rouge. Les bottes, on va laisser en blanche, ça va très bien. Les gants pareil. Le guépard, on va peut-être changer de couleur. Je sais pas. Non, on va laisser comme ça. C'est le surnom. Hop. Ah, j'aime bien comme ça. Guépard. C'est son nom. Cherchez pas à comprendre sa montée sur le. Style pilotage. Voilà. Bon, normalement, le numéro, j'ai bien celui-là. Je peux pas en choisir d'autres. Je peux choisir 90 comme ma date de naissance, mais j'ai pas fait. Voilà, attaque. Bon. On va commencer la première course de la saison, qualif et tout. Hein. Écran tactile, alors info. Alors votre motorhome est votre chez vous pendant toute la durée du championnat. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre agenda. Chargez des pilotes professionnels, changez de catégorie pour obtenir une moto plus moderne. Et d'accord. On peut peut-être mettre d'autres sponsors, je sais pas si frein niveau 0 machin, ouais d'accord. Donc là hop, on va commencer les amis. On va pas s'embêter. Multimédia, ça j'ai déjà vu. Démarrer la course. Option de la course, voilà. On va mettre juste qualification et course. On mettra ça. 25%. Voilà. Ça sera très bien que je pense comme ça. Lancer la course. Objectif de course, 15e position. En gros, je pense que c'est les points. Il me semble, non, je crois que c'est jusqu'à 16. 16 pour avoir les points. Je vais enlever ça là. Oh. Une moto. Oui. L'Australien ça, comment s'appelle j'ai vu Match Belgique derrière avec le numéro 3 et là comment s'appelle lui McDowan, hop là. Bonsoir et bienvenue sur le circuit de Losail au Qatar. On remarque déjà. Développement de la moto. Oh, c'est une moto. Oh, pff, elle est belle, hein. Elle est belle, la moto. Je peux encore rien faire dessus. Hein. Mais je la trouve jolie, hein, comme bécane. Elle est un peu rose, mais bon. Vous voyez les structures, hein, des requins, là. Ça, c'est génial. Franchement, c'est génial comment c'est fait. Notre propre écurie. Ingénieur. Étudions les réglages, j'ai du mal, d'accord, ça sera après la qualif, on verra, enfin, pendant la qualif. Rejoindre le circuit, voilà. Hop, on met mon casque, hein. Voilà. Normalement je grimpe dessus, normalement j'ai pas deux bécanes. Hein. J'en ai qu'une seule, hein. En moto 3 on en a qu'une seule, ça c'est mal fait par contre. Voilà, la bécane est démarrée. C'est excellent comment ça fait. Franchement, c'est bien fait. Hein. Tout flouté comme ça là. Ah, c'est pas du tout le même bruit à hein, Mahindra. Son premier tour, tour d'échauffe. Hein. Ah bon, on voit le comportement de la bécane qui est pas du
tout au point. Waouh, elle est incontrôlable limite. Freinage zéro, suspension, tu la sens bien qu'elle est pourrie. On va galérer avec cette mécanique. Je le sens bien. Qu'on va galérer. J'ai du mal à conduire avec là. Je prends pas les points de corde. Alors on va se concentrer. De toute façon, c'est le premier. Il reste 37 minutes. Hein. Là, on va tester un petit peu la bécane. Si on fera pas les 37 minutes. Là, on fait le tour de chauffe, hein, histoire de chauffer les pneus. Et après, on va attaquer comme. Là, je fais un repère du circuit. Voir où je peux attaquer, là il faut vraiment que je prenne beaucoup plus tôt. Il faut vraiment que j'aide mon ingénieur aussi. Ça, franchement, ça va être trop cool. Là, moi, je vais kiffer. Même ça fera pas beaucoup de vues parce que je sais que vous êtes tous du farming. Mais moi, je serai à fond. Je sais déjà que Pierrick, petite dédicace à toi, Pierrick 50 là, je sais déjà qu'il va aller regarder la série. Des petits fans de Bécan coin. Franchement, moi je trouve c'est une belle série, c'est un beau truc à faire. J'espère juste que je vais pas taper des copyrights, des strikes, enfin un strike, c'est pas un strike, un copyright par contre. Fraîcher. Je regarde un petit peu si on peut la lever. Regardez-moi ça, je gère. Hein. C'est moi qui charge. Là par contre, là, on gère vraiment. Bon allez hop, c'est parti pour le tour. J'ai perdu du temps. Le mec commence à sortir. Il y a masse bouge juste devant moi. Allez, entre français, on va céder, non? J'ai oublié, toi tu gagnes une course, après tu fais plus rien, t'as bien laissé d'argent. Allez, vas-y. Ça me gêne, mec, autour de Calif là. Autre temps. Ah, c'est bien, il y a des partiels orange et tout. C'est cool ça. Tu me gênes un peu, mec. Il me gêne à mort. Hein. J'arrive pas à me concentrer dans la course. Pas mal ma bécane. Hop, j'ai un peu vraiment bien géré. Je commence à bien prendre les repères de la bécane. Je commence à bien me sentir à l'aise dessus. C'est plus important ça. Ouais, on va l'intérieur un peu. J'adore son cassage. Pas de données obtenues. Je suis 14e. S'il arrêterait de me gêner un peu, lui, c'est cool. J'aimais bien Masbou, j'ai même un autographe de lui. J'ai son DVD aussi. Fureur de vaincre. Je l'aime bien comme pilote. Hop, j'ai vraiment bien géré la pointe corde. Là, celui-là, à chaque fois, j'ai du mal.
J'ai toujours un peu de mal sur ce jeu. Je sais pas si avec les gros freinages ils sont là genre. J'ai pas mis la conduite à la 20 kg, j'ai pas mis ça, j'ai mis ça à la marque marquée, je pense que c'est la meilleure conduite. Bah il y a Lorenzo qui est vachement, enfin c'est une conduite souple, vachement légère. Que celle à Marquez, c'est une conduite. Oula, c'est une conduite qui est vachement plus brute, vachement plus attaquante en fait. On attaque beaucoup plus que on dirait que Lorenzo quand il roule. C'est Lorenzo ou Paul Espargaro quand il roule, on dirait qu'ils sont tranquilles. Que Marquez, on voit tout le temps qu'il attaque à fond, quoi, qu'il passe vraiment à fond. Après, bah, est-ce que le pilotage de Rossi, c'était. Bah, il s'est adapté plus au style de pilotage de Marquez maintenant, mais son ancien style, je dirais, c'était assez coulé quand même, c'était propre. On va dire c'est l'ancien pilotage à l'ancienne. Des années 2000, on va dire. Enfin, années 90, 2000. Et après, bah, il y a eu la conduite de Lorenzo, enfin, le style de pilotage de Lorenzo, et après celui de Marquez. 25e. Bon, je sais pas, 25e, mais là, 10e. Hop. Dixième. Ça me plairait bien, 10e. Avec une bécane qui a aucun développement, t'as rien du tout. Dommage, on ne peut pas développer la bécane. La bécane, moi, elle a rien du tout. Là je suis à 0, je la trouve plutôt maniable pour une Mahindra. Après vitesse de pointe c'est sûr que. Je n'ai aucune vitesse de pointe, je suis dans le rouge. De toute façon je rentre au stand là. Je rentre au stand tranquillement. On regarde un petit peu la bécane. Je vais pas partir en moto 2, franchement. Il a 27 ans, 28 ans. La prochaine fois, il pourra plus rouler. Très bien même. Je sais pas si je peux couler les. Enfin changer les couleurs de mon équipe. Rouge comme ça. Je m'enlève là. Il y a plusieurs stands, hein. J'ai vu, il y a plusieurs stands de chez moi. Alors, ingénieur. Alors, étudiant encore les réglages de la moto. Explique-moi comment ça se passe en moto GP. Je veux travailler directement sur les réglages de la moto. Ouais. Suspension. D'accord, là, tu. D'accord. J'ai pas trop envie de changer parce que la suspension était pas mal. Guidon. Non. Boîte. Ouais. Les pneus. D'accord, je sois souple, d'accord. Étudie encore les réglages de la moto. J'ai du mal à entrer correctement dans les virages. J'ai du mal à bien prendre les virages. Je n'aime pas le comportement de la moto. Quand je voudrais, quand je change de direction. La moto se comporte bien quand je. C'est plutôt l'entrée du. Voilà.
J'ai un problème de précision, maniabilité, stabilité plutôt. La moto bouge beaucoup, ouais, c'est vrai. Parfait, allons-y. Voilà. Faut pas avancer le temps là. Développement de la moto. Moteur, châssis, suspension, d'accord. Ah, niveau 1, niveau 2. Ah non, je pack de données. D'accord, j'ai des packs de données. Niveau 0 sur 3, d'accord. Info séance, voilà. Alors F4, on va faire F4 directement. On va sortir pour les 10 dernières minutes. Allez hop. Rejoindre le circuit. Alors je suis 13ème quand même, il reste. Je sais pas combien il reste de temps là. Ah, la meilleure comportement déjà un peu. Je le sens contre le virage. Première position 209-695. Tant de faire ça. Ils sont tous au stand déjà. Ils sortent tous là. Vous voyez, ils sortent tous en. Il reste 6 minutes. Allez hop, on va attaquer comme un taré. Il nous reste un ou deux tours à faire. Tour 3. C'est une très belle course en tour 3. Ouais, en moto 2, vous allez voir le bruit qui est la saison prochaine. J'irai peut-être en moto 2 si je suis champion du monde. Si je suis pas champion du monde, je n'aurai pas de catégorie. Donc c'est une carrière très longue qui va. Et ça, je compte la faire jusqu'en. Franchement, j'adore la moto. Waouh, ce virage là. Ça va être très dur de faire un chrono. 13ème, c'est déjà pas mal. Hop, attaque. Dommage, je n'ai pas de commentaires. Hop. Accélère. Les vitesses, je mets ça automatique. Sur manette, j'arrive pas. Ce serait qu'un guidon, je sais pas, un guidon moto, tout comme ça, ouais. Là, je le passerai. Je les passerai, sans problème. Hop, c'est parti. Voilà. Déjà dans la ligne droite. À fond. À fond les ballons. J'ai 200. 725 qui roule à 200. Bien d'accord, bien accélère à fond là, voilà. Freine bien, d'accord, et on accélère. On passe à fond. Gros freinage là aussi, c'est des gros freinages sur le Grand Prix du Qatar. On accélère à fond. Hop, on accélère, on freine, voilà. Ouais, tu me dis, ah non, c'est peut-être le frère de Brad. Non, c'est le frère de. Et oui, la moto est un truc de famille, je l'ai mis derrière. Moi, je l'entends, le bout de sa PTM là. Oh, c'est pas une droite. Hop. On est bien dans les temps, je pense.
attention qu'on vient. On accélère à fond. Point de corde parfait, on accélère. Freinage, point de corde, accélération. Voilà comment jouer à MotoGP, les amis. Je les ai tous séchés par soleil. J'ai toujours. Et celui-là, je trouve que c'est un des mieux. C'est le même le mieux pour l'instant, le truc. Parce que j'ai pas du tout aimé 2014, j'ai joué 30 secondes, je crois. Hop. Accélère, voilà. Waouh, quel con. Ah, j'ai perdu une seconde. Voilà. Allez, 9 secondes d'après. Ça va être chaud. Je pourrais pas, j'ai pas la bécane pour. Je suis 11e, les amis. Plus 1200. Oh, ça c'est une Honda, je reconnais le bruit direct. Je reconnais le bruit des Honda. Pétouille. Vous entendez ? Ah, regarde le bruit là. Hop. À fond. Wow, les. Les temps sur ce. Je suis un des meilleurs là sur ce truc là. Le meilleur temps pour le partiel. Est-ce qu'on sent bien là? On accélère. Fond. C'est vraiment un jeu qui est vachement fluide. On peut vraiment faire ce qu'on veut quoi. C'est génial. Voilà. Je reste concentré là pour le tour là, je me concentre à fond. Dernier tour. Cinquième. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai pas vu. Ainsi se termine cette premier. Séance de qualification. Oh, je suis premier, les amis. Après une séance très disputée lors de laquelle les pilotes ont donné tout ce qu'ils avaient jusqu'au bout. Nous connaissons enfin le nom de celui qui prendra la pole demain. Ah, c'est Rémi Gardner, non, Binder est où? Suzuki, Rodrigo, Carrasco, Daniel. Voilà, Darin Binder. Il y a son frère normalement qui est plus haut. Brad, voilà. Oh, je suis premier, les amis, un truc de ouf. Excellent. Ah, c'est vraiment génial. Collection de motos, les livrets achetés, GP crédit obtenu encore, d'accord. Bonsoir en direct du circuit de l'Oseille. L'attente arrive enfin à son terme. Une nouvelle saison de MotoGP est sur le point de commencer. Le vent, la direction, le sud. Les pilotes et leurs machines sont prêts à entrer en piste. La course de Moto 3 du Grand Prix du Qatar démarrera dans quelques. 24. Allez hop, c'est parti, les amis. On est en pole position. Je reviens pas. Franchement, je pensais vraiment pas être en pole. Après, de la finir premier, ça c'est autre chose. Ben, premier. Kent, Oliveira. Annika, Vasselin, d'accord. Lol. Il y a un Belge. Rodrigo, c'est un Argentin, Rodrigo, d'accord. Ton dernier, le pauvre. J'espère faire un bon départ. Ouais, j'ai fait un départ de merde. Waouh, dans l'air direct.
Ouais, comme quoi, hein, le premier, hein, ça sert des fois à rien. Hop là. Ça me tape pas dedans, toi. J'ai envie de rouler propre. Navarro. Un petit peu dans les choux. Magnifique le point de corne. 5 tours les amis. Oh, oh, je voulais me faire chuter le Navarro. Casse-toi. Voilà le frein. C'est autre chose encore ça. Mais je trouve qu'elle est plutôt bien réglée ma bécane. Enfin, elle promet le Grand Prix à 16 ans. Première pole position. Génial. Donc là j'ai 17 ans mec. Ah, c'est dur de les doubler hein. Franchement c'est dur. Là au moins il va y avoir de la bataille, de dépassement. Bah j'arrive pas, j'essaie de gratter au maximum. Elle est en train de s'échapper. Faut vraiment je recolle. Je suis entre les deux là. Allez. Ah, là, de toute façon il y a une vitesse de pointe, regardez comme il largue. Il me largue mais comme il n'y a pas. Je peux rien faire, voilà, vitesse de pointe là. Sur la ligne droite, je pourrais tout en bouffer. Mais il dra. Pas réputé, pas de données obtenues. Yes. Allez, c'est bon, j'ai réussi à recoller. Dans les virages, par contre, elle est beaucoup plus maniable. Oh yes! Oh, je m'en suis fait 3 d'un coup là. Parfait. Dépassement ciblé. Et je suis en moyen quand même. En moyen, c'est déjà dur. Essayer de gérer au maximum. C'est un circuit que j'aime assez, que je connais déjà assez. Ça va encore. Hop. Je commence à les larguer. Si la difficulté est trop dure, je la changerai. Trop facile, je changerai. Je suis en train de les larguer, mais combien pas là. Allez. On la gère au maximum. Hop. 5 tours, je pense que c'est très bon. C'est bon, je m'échappe mon ami. J'ai une seconde d'avance. Derrière moi. Ça va venir mon cul. En ligne droite, de toute façon, je ne pourrais rien faire avec cette mécanique-là. Vous voyez comment je me penche, c'est beau. Je pose le coude, quand même, au dépassement. Hop.
je suis très 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 concentré. Là, mais j'ai une bécane qui est. Heureusement que ma bécane n'est pas à fond. Bien que là, je gagne. On va dire que je peux être assez bien. Allez, on tape le tour 3, 4 tours. Ils vont me rattraper dans les droites, ils vont me bouffer. Ah, combien de points? 2,30, 2,33, là ils doivent être à 2,50, je pense, 2,40. Allez, ils viennent à chaque fois. Titiller. Ça va, lui sur les pneus est correct. J'ai de plus en plus de mal à la faire tourner la bécane. Je sens que c'est un peu plus dur. Hop. Ouh, c'était chaud. Vraiment sur le dernier tour, hein, tout à l'heure j'ai réussi à décrocher la poule. Dans la saison, il y a des circuits où les circuits, j'arrive vraiment pas du tout. Les circuits, c'est vrai, bah, c'est pas du tout ce qui est le montage. J'arrive pas de chuter, tout comme ça. Hop, pas de. C'est l'arrivée. Je Guépard. Ça a l'air pas à fond. Hop là. Moto 3. Putain, avec ça tu peux bien faire joujou, franchement. Tu vas voir quand moto 2 et moto 3, les passages en courbe là, le virage et ça c'est beaucoup moins rapide que les moto 3. Moto 3 passe beaucoup plus vite que les moto GP. Ouais.
Café Tartaro. Ouais. Wow, wow, wow. Petite faute là. Dernier tour, faut pas trop que je fasse des fautes. Je sais pas si au fin de la saison il y aura d'autres sponsors qui vont arriver. J'ai rien sur les coquins. Bon allez, j'ai gagné les amis. Wouhou! Non! Oh, 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 j'ai chuté sur la ligne d'arrivée. J'ai gagné la course. Oh punaise. La direction de la course va nous emmener au parc fermé pour la cérémonie du podium. Yes, Qatar. Regardons d'abord le classement final de la course. Masbourg. Et l'autre français. J'aime bien regarder les français à chaque fois. Ouf, dans les choux. Tonutzi et George Martin, ils ont pas fini la course. D'accord. J'étais très mal parti. Hein. J'étais très 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 mal parti. Hein. Moins 5, moins 9, d'accord. Il a pris 5 points, Mazou. Très bon ça. Yeah. Mahindra est premier. Honda, KTM, Urzarna. Yes. Nouveau casque débloqué. Yes. Nouvelle image débloquée. Yes. J'arrête pas de dire yes en fait. C'était sans conteste yeah. Une excellente journée pour lui. Au-delà du prestige de remporter la victoire sur ce circuit, il obtient 25 points très précieux pour le championnat du monde. Elle est rose ma bécane. J'ai une tenue rouge. Je vais me mettre en rose. Pour une première course, franchement, vraiment génial. La nuit appartient à Rossi. Il gagne à l'oseille avec une très belle performance, montrant ainsi qu'il est l'un des favoris au titre. Alors, belle tentative pour Lorenzo 2ème et Marquez 3ème qui sont toujours en course pour le championnat du monde. Ah, félicitations à Rabat qui gagne la course Moto 2 avec courage et détermination. Moto 3, Ben remporte sa victoire digne d'un vétéran. Yeah! Je ne peux pas nier que je ne croyais gagner, mais je n'ai rien pu faire contre l'attaque des Espérites. Je dois admettre que Team Yawa Moto 3 a réussi une bonne affaire. Rumeur. Vargas est parvenu à convaincre tout le monde que ce contrat n'existait pas. Selon les dernières rumeurs, l'argent négociait déjà les transferts de son client Ben chez Gresini Racing Team Moto 3. N'importe quoi. Les ragots encore. Même dans le jeu, j'ai des ragots. Ouais. Joan Jarco, il a fait 3ème, d'accord. Joan. C'est bien tout ça. Site web, classement, ouais. Récompense de sponsor. Yeah. Pack de données 2. Je sais pas comment on fait pour les avoir. Alors essaie d'aider ton team et de le plus longtemps que possible. Tant que tu es dans les stands, tu peux montrer en question quel élément tu souhaites améliorer lorsque tu pilotes les unités, d'accord. DSB, le logo. Moi le logo je mettrais plus celui-là en fait. Voilà. Personnaliser l'écurie. Ah mais on peut pas changer la couleur. Oh. Ah multimédia, j'ai débloqué une nouvelle photo. Et c'est David Sozo. Hop. On va aller dans la chambre. Là j'ai pas rien à faire là-dedans. J'ai un poster à Valentino aussi. Équipement. Casque. J'en ai débloqué un normalement. Celui-là il est beau hein. Moi, j'aime bien celui-là. On va prendre celui-là maintenant. Bottes. Toujours un débloqué. Gants. Bon voilà les amis, c'était l'épisode numéro 2, première, enfin le premier course du championnat.
Donc easy, hein, j'ai envie de dire. Donc je vous dis aimez, partagez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine. Hé ha, vroom vroom.